choisir le droit de marcher sur le fer. Nous sommes des terriens. Homo, homo, humus, la terre, c'est la même racine. Homo, c'est l'homme de la terre. C'est vrai aussi en hébreu. Adam, Adam, en hébreu, c'est celui qui fabriquait avec de la terre. En chinois, il est. Est-ce qu'il y a un rapport entre le mot qui. C'est quoi? C'est ren? Ren, c'est quoi? Je. Ren? Il n'y a aucun rapport. Alors, on est dans un musée, et un musée d'histoire naturelle. Et les musées d'histoire naturelle sont devenus, d'une certaine manière, des musées d'art. On pourrait se demander si, en sens inverse d'ailleurs, dans quelle mesure les musées d'art ne sont-ils pas aussi des musées d'histoire naturelle? Ça, ça paraît moins évident. Qu'est-ce que c'est qu'un musée? Proust disait, un musée, c'est une demeure qui abrite des pensées. Dans lequel les objets sont là en tant que pensées, des pensées vivantes. D'une certaine manière, pour moi, l'évolution des différentes espèces pour arriver jusqu'à l'homme, c'est l'évolution d'un certain type de pensée qui ne progresse pas forcément de manière aussi discontinue toujours que l'on croit, mais en tout cas qui a une unité. Et j'aimerais essayer de renverser la pensée qui domine aujourd'hui, qui est celle d'une opposition entre d'un côté ce qu'on appelle l'art, de l'autre côté ce qu'on appelle soit la nature en général. Et on oppose depuis, en Occident, c'est récent, c'est depuis le XVIIIe siècle, qu'on oppose systématiquement nature et culture. Et on en est venu à penser aujourd'hui, justement, de manière tout à fait étonnante, la nature, oui, ce qui est naturel, comme une culture. Dans quelle mesure existerait-il encore une nature qui ne serait pas une culture? La plupart des philosophes ont tendance à considérer que ce que l'on appelle encore naturel, en réalité, c'est quelque chose de déjà culturel, de complètement presque culturel. Personnellement, j'ai envie de penser en sens inverse. En sens inverse, non pas penser la nature comme une culture, mais la culture comme une nature. Quelque chose qu'on a oublié depuis très longtemps dans, j'allais dire, notre civilisation. Mais on sait que maintenant que les civilisations sont mortelles, et la nôtre est particulièrement mortelle. Peut-être plus que les autres. Mais dans cette civilisation-là, en tout cas, qui, à mon avis, s'est éteinte au siècle dernier, je pense que notre civilisation est déjà morte. Les musées en sont un témoignage. En tout cas, dans cette civilisation-là, qui a eu tendance à devenir mondiale, il y a eu une opposition radicale depuis 250 ans entre nature et culture. Mais ce n'était pas le cas, ça n'a jamais été vraiment encore en Chine, en Inde, et dans beaucoup d'autres contrées où l'homme s'est installé. Donc j'essaierai ce soir de penser justement l'art, et en particulier la poésie, qui semble le comble de la culture, comme une nature. Dans un muséum d'histoire naturelle, je trouve que c'est justement particulièrement bienvenu d'essayer de repenser ce lien qui pourrait sembler à la fois évident, parce que quand on se promène dans ces salles, quand on voit la beauté
que d'instinct, on sent qu'il est du poétique. D'instinct, on sent que le poétique existe avant l'humain. Quelque chose qu'on a rarement, peut-être même jamais dit. Je pense que le poétique réside déjà dans cette évolution justement de la nature qui a fait que petit à petit chaque différente espèce et plus précisément certaines espèces certainement exceptionnelles comme on a dit cet après-midi qui montrent ici ce sur quoi j'ai essayé de réfléchir tout à l'heure, le génie de la nature. Ce génie-là, il est visible, audible, touchable par quelque chose que je nommerais déjà de poétique. Il paraît évident à moi que les couleurs et les formes des fleurs, les cris, les chants des oiseaux dont on parlait tout à l'heure, je peux presque déjà le nommer comme du poétique archaïque. Et ce que j'ai défini tout à l'heure comme une sécrétion en dehors de son propre corps, de quelque chose qui, d'abord, est une tentative, j'irais presque une tentation, de pas seulement communiquer, comme on dit, mais se projeter hors de soi, par les formes et les couleurs, par les sons, en les travaillant, c'est déjà du poétique. Cette sécrétion qui est naturelle, qui est biologique, le biologique sécrète à l'intérieur de soi, de manière endocrine, et à l'extérieur de soi. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qui est sécrété à l'extérieur de soi, non seulement des traces, mais des choses qui vont laisser des empreintes, et beaucoup plus que ça, des squelettes externes, par exemple. Des rayonnements qui font que, de loin, d'ailleurs, on va pouvoir voir, entendre. Et cette interaction, plus exactement, cette expression, c'est-à-dire le fait de faire sortir de soi quelque chose qui était à l'intérieur et qui, d'une certaine manière, était secret. C'est pour ça qu'on dit une sécrétion. Faire sortir une intériorité et la projeter vers l'extérieur et la concrétiser. Alors, par rapport à cet après-midi, la différence, je dirais, c'est que quand ça se concrétise à l'extérieur, dans quelque chose comme un objet, dans quelque chose qui devient visible, tactile, audible, et qui semble brusquement parfois indépendant. Ça peut être les feuilles des arbres qui tombent, ça peut être le pollen des fleurs qui s'en va, c'est les plumes des oiseaux. C'est évidemment les cris et les chants dont on parlait cet après-midi. C'est les griffures que laissent les lions, les tigres sur les arbres. Pour moi, ces griffures, ces griffes, ces traces des griffes, ces empreintes, c'est déjà des griffes. Ou plutôt, j'essaie de penser de manière inverse, l'écriture, par exemple, l'écriture, c'est une sorte particulière de griffes. En grec, graphéi, graphie, graphié, greffé, même étymologie, griffé, c'est la même famille. Et si il me semble évident que dans la nature, en dehors déjà de l'espèce humaine, il y a effectivement cette caractéristique de déposer hors de soi et de manière de plus en plus concrète derrière soi ce qui va devenir plus qu'après que des empreintes
plus, beaucoup plus que des traces. L'empreinte, c'est déjà beaucoup plus qu'une trace. Personnellement, je considère que l'écriture, particulièrement, c'est une empreinte. Je ne considère pas que ce soit une trace. Bon, les philosophes de la fin du siècle dernier, en particulier les philosophes français, célèbres, comme on disait, c'était des philosophes de la trace. Mais je pense qu'ils, déjà, ils étaient dans une idée, au fond, régressive de ce que c'est que l'art et de ce que c'est que l'écriture. L'idée de ne laisser qu'une trace. C'est beaucoup plus que ça. L'écriture, c'est laisser une empreinte. C'est pas la même chose. L'empreinte, c'est beaucoup plus fort que la trace. Mais plus fort que l'empreinte, il y a le poétique. Donc si je disais, dans la nature, il y a déjà l'expression du poétique, il est tout à fait normal que on essaie de penser maintenant le poétique comme quelque chose de, au fond, naturel. Pour moi, le poétique est inséparable de ce que j'appellerais le corps poétique. Le corps poétique, c'est justement ce que l'artiste laisse après sa mort. Qu'est-ce qu'il laisse de lui-même? Il laisse une identité. Vous dites, j'écoute Franz Schubert, vous dites, je vais voir un Picasso. Mais c'est pas un enfant de Picasso, c'est un enfant peut-être, comme on disait cet après-midi, qu'il a engendré. Mais c'est pas Picasso, c'est pas Rembrandt que je vais voir dans le musée. Ou si c'est Rembrandt, mais c'est le philosophe du musée du Louvre. Si je vais voir Werner, si je vais voir la fameuse Vue de Delft dont parlait Proust. Et quand j'écoute les variations Goldberg, c'est Bach que j'écoute. Pourtant, il n'est plus là. Ce qui reste, c'est ce que j'appelle le corps poétique. Le corps poétique, c'est ce que l'artiste sécrète en dehors de lui. Et plus que les autres humains, il le façonne et il en fait quelque chose qui remplace son propre corps, déjà de son vivant, et ensuite après la mort. Et c'est ça qui engendre les autres corps poétiques. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a qu'un seul peintre depuis le début des temps qui a commencé quelque part dans la grotte d'Altamira, dans la grotte de Lascaux, dans la grotte de Chauvet, dans les peintures de maître, le maître de Chine, dans les dessins d'Assisi, de là jusqu'à Picasso, jusqu'à Miquel Barcelo, aujourd'hui, c'est le même qui continue à peindre. Parce que Barcelo a vu Picasso, il a vu Picasso, Picasso a vu les Velázquez, Velázquez a vu les peintres flamands. C'était les pays espagnols, ça circulait très vite. Et puis on peut remonter comme ça très loin. On peut remonter jusqu'au bord. Donc j'ai essayé de réfléchir sur le poétique en fait de la poésie comme une nature. Mais cette grotte, d'où tout est parti, d'une certaine manière, à la fois la peinture, l'écriture. Les pictogrammes, les idéogrammes des carapaces de tortue ensuite, qui sortent quelque part des grottes. La musique aussi sort de la caverne. Il y a quelqu'un, étrangement, un scientifique, un naturaliste, qui a pensé au départ l'espèce humaine de manière poétique. Et curieusement, c'est à lui que l'on doit le nom de notre propre espèce, qui s'appelle Sapiens. Sapiens. Deux fois Sapiens, deux fois sage, deux fois savant. C'est pas plus fou que l'espèce humaine. Je me suis donc demandé.
qui a pu nous nommer sage, deux fois sage? C'est Carl Linné, très grand savant suédois, à qui l'on doit le premier très grand système de classification de toutes les espèces. D'abord végétal, c'est un passionné dans sa petite ville de Suède, près du lac. Il passait son enfance à faire de la botanique. Il aurait dû être pasteur comme son père et son grand-père. Il va y échapper. Il deviendra un très grand botaniste, un très grand naturaliste. Et après avoir essayé de classer d'abord tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il pouvait toucher, il avait un rapport poétique, un rapport tactile, un rapport sensuel aux végétaux. Mais après, il a continué à classifier les animaux. 1735, Systema Naturae, le système de la nature, première édition. Et seulement, où va-t-il mettre l'homme? Quel nom il va lui donner? Puisqu'il donne des noms latins à toutes les espèces. Il se souvient de l'homme de la grotte, parce qu'il y a encore des troglodytes. On se passionne pour les troglodytes au XVIIIe siècle. Voir Montesquieu, l'histoire des troglodytes. C'est le mythe de l'homme des cavernes, de l'homme. Et il se dit, il appelle l'ancienne. On n'a pas encore le. On a déjà parfois l'idée, mais quand on fait Diderot à l'époque, mais pas le, du tout la théorie de l'évolution des espèces. Donc c'est une typologie fixe. Mais on commence à comprendre qu'il y a eu d'anciens humains. Depuis le XVIe siècle, on les appelait les pré-adamites. Ceux d'avant Adam. La préhistoire n'était pas encore née. Mais il se dit, les anciens hommes, ces hommes des grottes dont il reste des vestiges encore vivants, si vous venez par la vallée de la Seine, sans prendre l'autoroute, il ne faut plus jamais prendre les autoroutes, si vous prenez la nationale, et si vous regardez sur le bord, là, dans les falaises, il y a des habitants qui ont encore dans les maisons. Ils vont dans la falaise et ils sont parfois, souvent, une annexe dedans, c'est fermé par une porte, dans une petite grotte dans la falaise. Eh bien, ici, ces anciens humains, je vais les appeler Homo Nocturnus, l'homme de la nuit. Et notre espèce à nous, par opposition, les modernes, les humains d'aujourd'hui, ceux qui cherchent la lumière, ils les appellent. Homo diurnus, les hommes du jour. C'est dommage que ce ne soit pas resté ainsi. Il va continuer à travailler, publier d'autres éditions de ce fameux Systema Naturae, qui est le fondement des espèces d'aujourd'hui, hein, de la classification, qui va évidemment évoluer au XIXe siècle, faire une histoire de la classification de la taxinomie. Ça va évoluer, percé évidemment par Lamarck, Darwin, l'évolution de l'espèce, etc. Ça. Mais ça reste le fondement. Et en 1758, c'est lui qui va devenir l'espèce. Il change, il abandonne, malheureusement, le poétique. Et il nous nomme, il se nomme Homo sapiens. Et ensuite, puisqu'il y aura des Néandertal, etc., qu'on considère pas comme des sapiens, tout à fait sapiens. Alors, je laisse la suite de la parenthèse, c'est très intéressant, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a eu effectivement. Nous avons des Néandertal dans notre ascendance, on a plus de 1% de gènes qui le prouvent, il y a eu interfécondité, et il y a eu d'autres espèces, tardivement sapiens aussi, il y en a eu que. C'est le Homo sapiens. Denisovien. Denisovien.